Et flop les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un peu spéciale donc du compte-rendu réunion de la fête. Oui, car mesdames et messieurs, le gameplay et t'as vu le gameplay que je sais plus ce que j'ai en fait. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une mêlée générale. Bon ça oui, parce que l'étrange est en face, donc je pense que vous l'avez deviné aussi. Il me semblait que c'était une histoire où j'étais arrivé dans une partie où ça campait à mort et je sais plus quoi, j'ai quand même réussi à la gagner à la fin, je crois. Enfin, il me semble que c'est plutôt une bonne partie. Donc à voir, on découvrira aussi un peu ensemble. Donc, sinon, ce week-end, puisqu'on est lundi, ce week-end, on a fait une petite réunion avec la FES, donc on s'est rencontrés un peu tous ensemble. Donc, il y avait Exode, il y avait Playcraft, il y avait Titi Bob, il y avait Vrat de I, ma gueule, et je crois que j'oublie personne. Et donc, moi-même. Si, Bobos, pardon. J'ai oublié Bobos, le pauvre. J'ai oublié Bobos, donc je ne sais plus pourquoi. Je crois qu'il a mangé tout le monde. Donc s'il manquait Mazette qui a pu plus se déplacer malheureusement, il avait une réunion de famille le même jour, donc du coup bah forcément pas hein, la famille. Il a préféré logiquement rester avec sa famille plutôt qu'avec nous, le méchant. On l'a quand même eu sur Skype le soir même, donc c'est pas trop trop méchant. Donc on s'est réunis tous chez Exode, donc du coup c'était plutôt sympa. Du coup ça nous a permis un peu de se rencontrer, rigoler, puis de se voir un peu plus en vrai on va dire. Parce que c'est vrai que bon, ça fait quand même quelques années qu'on joue ensemble hein, tous. Hein. Je pense que, enfin moi en tout cas qui suis un des derniers avec Playcraft, on joue depuis quand même un an ou 2 ans, un truc comme ça, 2 ans. Exode, enfin son ancien compte Clem, il jouait avec les autres depuis 2011, je crois. On a fouillé dans cette console. Ah oui parce que le mec quand même garde. Tous les oui là avec la cassette tirée de loin comme ça, non je pense pas que c'est une bonne idée. Le mec a quand même tous ses messages, c'est à dire que dans sa console, qu'on soit une invite, un message de quelqu'un, que ce soit une insulte ou dire bien joué ou quoi, on vous l'effacer, ça sert à rien d'avoir 50 invites de chaque machin. Non, lui il garde tout, il doit avoir peut-être 1000 messages. Vous mettez 10 minutes pour aller du message d'en haut au message d'en bas, on a trouvé des invites de gens avec qui on joue plus du tout qui datent de 2011. Quand même. Donc, moi je suis parti assez loin parce que j'étais le plus loin qui partait. Donc, du coup, je suis parti à minuit samedi matin. À minuit. Je suis arrivé samedi matin à 10h30. Donc, ouais, c'était 11 heures de route, pas mal. Je suis arrivé ce coup 10h30. Titi Bob lui est arrivé en train, bah, pareil, au même moment. Donc, vu que c'est la ville où avec Exode, c'est un peu plus loin que la gare, la première gare routière. Donc, du coup, ils sont arrivés une demi-heure après. On s'est vu, on a attendu un peu, on a fait un petit déj tranquille. Donc, on a mangé rapidement. Du coup, Bobos et puis Playcraft devaient arriver ensemble. Pareil, sur les coups de 11h. À 11h30, il n'y avait toujours personne, on s'est inquiété, on les a appelés. Ils nous ont dit bon, on est à Sens. On arrive dans 2 heures. Enfin, on a 2 heures de la ville. On arrive bientôt, quoi. Et bon, il devait arriver à 11h30, 2h, ça fait quand même 13h30. Bon, c'est pas grave, on peut attendre pour manger. Bon, blague à part, à 2h, il était toujours pas là. Du coup, ils sont potés à 4h. Ils sont potés à 4h30 directement à la gare, du coup, parce qu'on devait récupérer Vrat, qui a dû manger le enfin, manger. Travailler le matin, du coup, il peut arriver plus tôt. Donc, du coup, ils sont arrivés. Il est arrivé par le train donc, parce que Titi et Vrat habitent au même endroit. Et surtout c'est que lui travaille le matin donc du coup il peut pas venir plus tôt. Donc l'état des courses, il s'est pointé un peu plus tard. Mais au final, les deux oiseaux qui devaient arriver sur les coups de 11h sont arrivés à 4h30 avec lui. Quoi. Voilà. Donc on n'a pas mangé de midi, bien content. Donc on a fait nos courses, tout ça, et puis finalement bon, samedi soir, on a passé une bonne petite soirée. À retenir que le boss n'a pas fait honneur à toutes ses promesses. Hein, il a pas fini son verre de Sky, donc c'est pas bien. Exode n'était pas content. Petite blague du soir. On a appelé Mazette, parce que du coup il était sur la W3, du coup il a joué un peu avec nous aussi. On a joué un peu, ouais, c'est juste pour la blague. En tout cas, ça fut une réunion compte rendu intéressante et très motivante pour la suite des événements. On a préparé plein de trucs et tout. Non, pas du tout, on a fait que les cons, on n'a rien fait de spécial. De spécial et de particulier. En tout cas, on s'est bien marré. C'est bien le but.
Je regarde en même temps la vidéo, je me suis dit pour un peu, c'est des fois qu'il y a un truc de ouf que je fais ou quoi. Parce que si j'ai gagné gameplay, c'est bien par une raison, alors laquelle. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus. On a 9-9, donc c'est serré. Tout un truc quoi, où je perdais, où j'ai remonté d'un coup. Enfin, il me semble que j'ai gagné, hein. Je suis pas sûr. Mais de mémoire, ouais, de voir un truc comme ça. Hop, on équipe donc là, la base. Ah, bien joué ça. Tiens, le saut suicide, c'était bien joué ça. Ça, c'était très très bonne idée. Bon, en tout cas, du coup, on espère pouvoir refaire ce genre de petite réunion. Parce que c'était comme tout bien sympa. De se voir un peu, puis voilà, de prendre un apéro, de finir torché, tout comme ça. Des histoires comme ça, mais enfin bref. En tout cas, c'était plutôt sympa. D'accord. On espère pouvoir refaire ça bientôt. Bon, bon, après, vu la géolocalisation de chacun, c'est vrai que bon, même s'il y en a beaucoup dans le nord, moi je suis en bas dans le sud, donc du coup c'est pas un peu loin. Donc, ce genre de choses, on peut se permettre une fois de temps en temps, mais de trop, c'est pas, on peut pas non plus. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va s'amuser à faire des heures de route, soit chacun, hein, parce que si moi j'invite tout le monde, ça fera un bon 10-12 heures en fonction des personnes. Donc, tout ça c'est un budget, c'est vrai, donc du coup c'est pas toujours facile de pouvoir se. C'est pas comme si on habitait dans le village du coin, et il fallait 10 minutes à chacun, soit même en voiture ou à pied, pour pouvoir se rencontrer, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est toujours plaisir de pouvoir justement se déplacer, puis de voir un peu tout le monde, de pouvoir enfin se rencontrer, mettre un, comme disait Précra, de mettre un visage sur un nom ou sur un pseudo. C'est toujours plus sympa, puis bon, vu qu'on s'entend bien depuis quand même plusieurs années, on pouvait sans risque se rencontrer et kiffer la life quoi. Donc voilà, donc à retenir, Bobos ne passe pas la troisième dans sa voiture quand il veut avancer. Il ne finit pas sévère, hein, quand même, on est haut. Sinon, oui, Xod devrait ne plus galérer parce qu'on lui a récupéré une manette. Parce que c'est vrai que quand on bat du coup en attendant, Bobo, c'est plus Kraft. Le matin, on a essayé, on dit, l'autre, il n'arrête pas de relaxer la manette, on dit, on va essayer. Donc, en effet, elle buguait un peu, c'est-à-dire que bah, le joystick, en fait, empêchait de courir. Le clic du joystick pour sprinter était un peu dégueulasse. Du coup, ouais, il sprintait pas quoi. C'était un peu galère, c'est vrai qu'on faisait jump pour que ce soit plus rapide et que tout le monde puisse jouer. C'est vrai que du coup, bah, en général, c'est pas forcément très facile parce que quand vous devez sprinter pour essayer de trouver des ennemis, notamment pour vous débarrasser des premières armes, soit exécuteurs, les pompes, etc. Quand vous n'avez pas d'armes qui tirent de loin, quand il faut se rapprocher au corps à corps du mec, le mec court, vous êtes derrière lui, vous pouvez l'avoir, mais vous êtes pas trop loin et du coup, bah, il faut que vous couriez pour l'attraper, mais la manette ne veut pas courir. C'est un peu chiant, il est vrai. Donc, du coup, Blackrack gentiment lui a ramené une manette. Bon, d'ailleurs, on a essayé hein, pour voir. Alors, manette très sympa, hein, soi-disant neuve. Bon, on a été tous confrontés au même problème, c'est-à-dire que la manette recharge, tire toute seule. Donc, ça, c'est quand même balèze. Exod a une théorie à ce sujet-là, ce serait en fait des palettes spéciales tactiles qui seraient cachées derrière la manette. En fait, c'est la manette prototype de Sonic qui aurait été égarée. C'est sa théorie, hein, chacun pensera ce qu'il voudra. Personnellement, je pense plus qu'il déconne un peu. Bon, Playgras, c'est quand même le seul à pas avoir eu de problème. On est tous passés par là. Donc, se retrouver à courir avec une manette qui tout tire toute seule, c'est un peu pénible, surtout quand elle recharge en fait. Parce que quand elle tire, vous perdez des balles, vous faites repérer, c'est rattrapable. Par contre, quand vous trouvez un même ennemi, elle se met à recharger d'un coup, alors vous en tirez dessus, ça peut poser problème. Donc, on pourra quand même ensemble continuer à rager Xod sur sa manette. Je pense que ce sera encore l'excuse principale de ces mauvais scores. De toute façon, au quotidien, il trouvera une excuse, mais c'est vrai que là, du coup, on ne peut pas se lever sa gueule. Comme il disait, heureusement que vous l'avez essayé, parce que c'est un coup, je me serais mis à râler là-dessus. Vous ferez plus de ma gueule, comme quoi c'est moi qui fabule. Il est vrai que si on l'aurait pas vu, on aurait pu se lever sa gueule en disant, attends, t'as une manette neuve maintenant, fais pas chier quoi. Bon, le mec a quand même une manette de 6 mois neuve qu'il a achetée, elle se m'a déconné, il la renvoie pas au service après-vente. Bon, après, chacun son truc, hein, mais. Enfin, bref. Donc, du coup, ouais, bah, du coup, on a fait la fête ce samedi soir, on a bien bu, on a bien mangé, c'était bien rigolo. Le dimanche matin, il était plus compliqué. C'est vrai qu'on s'est pas beaucoup dormi.
Vous avez un peu la gueule de bois et tout, c'est vrai que c'est compliqué, surtout que, en sachant que bon, le problème c'est qu'on arrivait que samedi matin, du coup pour rentrer chez nous avant lundi, parce que lundi forcément on travaillait, enfin, on pouvait pas se permettre de rentrer non plus lundi à 3h du matin, donc il fallait qu'on parte assez tôt. Donc c'est vrai que dans notre cas, on est rentré assez tôt, c'est fait qu'on est arrivé samedi matin à 11h, on est parti dimanche après-midi à 3h, et encore qu'on a fait tirer, on aurait dû partir sur les coups de midi ou 1h plutôt, histoire de rentrer avant minuit, ouais. Mais du coup, ouais, non, moi je suis parti. Je suis parti sur les coups de 15h, 15h15 je crois. On s'est arrêté à Lyon pour manger, et finalement on est rentré, il était 23h et des brouettes. Donc finalement c'est assez rapide. Bon, après Lyon, j'ai pris l'autoroute, donc c'était assez rapide. Et sinon, oui, non, ça fait beaucoup de route, c'est vrai. Au final, peu de choses, parce que bon, on s'est vu. Enfin, moi j'ai fait 20 heures de route au total, hein, à fond. Et on s'est vu du coup de 11h jusqu'à 13h, donc ouais, ça fait 26h, on est resté ensemble 27h, un truc comme ça. Bon, c'est vrai que c'est dommage, on s'est vu peu pour le temps qu'on a mis. Mais ouais, c'est quand même bien sympa. La vidéo se termine, j'ai pas vu mon score, donc c'est super. Donc je sais pas si ça sera intéressant, mais en tout cas, compte rendu plutôt positif pour cette rencontre et pour cette fameuse réunion. Donc je vous laisse, portez-vous bien, faites pas trop de votre corps et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!